La lettre, lettre. Ah oui, c'est vrai, la lettre, attends. Cher candidat, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour participer au grand festival international de comédie musicale au Palais des Sports, Paris 15e. Bonne chance. Savoir bien danser. Bien danser? Non, non, pas du tout. En fait, moi, je danse dans la vie de tous les jours. Danser, c'est ma vie. Hein, Clamina? Bah oui, c'est sa vie. Donc, t'évites de poser des questions comme ça, parce que moi, tu m'écoutes. Ah, parce que moi, je danse très, très bien. Tu le verras de toute façon. Donc, voilà. Tiens. Au revoir. Au revoir. Plus problème, nous avons réussi. C'est fini les galères et c'est parti. Mais tu peux pas faire ça, Barani. Tu peux pas faire ça maintenant, Barani. Arrête toujours. Je vous cherchais. Ah, ma Dieu, heureusement t'es là. Aide-nous à parler à Barani, parce que là... Je veux bien vous aider, mais d'abord j'ai un truc à vous dire. La comédie musicale, c'est trop pour moi. Donc la comédie musicale, ce sera sans moi. Mais t'es sérieuse, là? Non, mais... Oh... Allons, ma Dieu, ça va aller. Toutes les stars font des caprices, hein. C'est normal, elles fonctionnent comme ça. Il faut savoir les écouter, leur parler. Non. Donc maintenant, tu vas nous dire ce qui va pas et on va tout arranger, d'accord? C'est pas un caprice, vous comprenez? J'en ai ras-le-bol. Ma voix, elle est cassée, donc je me casse. Non mais attends. T'es la, t'as le rôle principal, tu fous tout en l'air, hein. Tu peux pas faire ça. On va trouver quelqu'un pour se remplacer. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Mais attends, Madio, attends. Elle pensait pas quoi, elle l'a dit. Madio! Madio!
Bon, on ne va pas abandonner, c'est près du but. Moi, je crois que ça ne sert à rien, vous fatiguez pour rien. C'est tellement stupide de tout arrêter. Aucune solution, rien, nada. Vous savez, je connais un peu le texte de Madio. Un peu comment? En fait, je le connais entièrement. Et tu nous as rien dit? Mais je pensais pas que ça allait être si important que ça. Important? Mais c'est génial! C'est toi qui joueras le rôle de Madio. Je suis pas sûre dans les tapas. Barani, Jaïma, Mandjine. On a trouvé une solution, je pense qu'elle va vous plaire. Du moins, va-t-elle sauver notre spectacle de tous ces problèmes? C'est totalement inutile. Bon, on se calme, Kaïssa est arrivée. Et comme je vous l'ai dit, elle connaît le rôle de la star, donc êtes-vous d'accord pour l'auditionner? Bon, on t'auditionne. Chanter, ça je peux le faire, crois-moi. Jouer, pas question de me taire, tu vois. Je sais son texte et ses chansons. Je connais tout ça sur le bout de mes doigts. Danser, ça je peux le faire. Regarde, bouger, le rythme que j'ai en moi, tu vois. Je sais que je peux y arriver. Laisse-moi une chance de rentrer dans la danse. On va gagner ce concours, quoi. Laissez-moi vous convaincre, je sais qu'en vrai, je suis plutôt timide, oui, mais sur scène, ce n'est pas pareil. La musique, le rythme, dévoilons-moi la star. Ah, de Sion, depuis le début de l'année, je suis ici, à vos côtés, ce projet. Alors, attention, il n'y a pas de surprise. Je vais tenter ma chance, oui, je me lance. On a besoin d'elle. En scène dans 10 minutes, je répète, tous les artistes en scène dans 10 minutes. Ah, je serai jamais prête, j'ai pas fini mon maquillage. Hey, vite, 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 les filles, on a 10 minutes, c'est vite, vite, vite. On a 10 minutes, on a 10 minutes. C'est bon, ça va. Le maquillage, c'est bon. Les sneakers, le caisson. Ah! Quoi? Mais c'est moche! Mais je suis en train de faire mon contouring! Mais c'est moche, tu vas pas monter en scène avec ça! On m'a dit de être un personnage haut en couleur, donc je nie de la couleur! Mais non, faut y aller! Allez, on va y arriver.